Bonjour à tous. Donc là, je vais vous parler des nouvelles roues de VTT que j'ai pu acheter, des 29 pouces en carbone. Je les ai prises sur AliExpress. Donc je tenais à vous les montrer parce que c'est vraiment de la très très bonne qualité. Donc, alors, quand je les ai reçues, elles étaient très bien emballées dans une protection avec chaque côté au niveau des moyeux, là, il y avait des protections plastiques pour éviter les coups. Je les ai reçues en une semaine exactement. J'ai demandé au fournisseur, au créateur des jantes, de mettre ce genre de moyeu là, voilà, avec des rayons droits. Hop. Et ensuite de personnaliser avec des petits mamelons comme ça rouges. Pour que ça s'accorde avec mon vélo, quoi. Alors là, je sais pas ce qu'on va voir. J'ai demandé des mats en 3D mats ou 3 T-Max, je sais plus exactement. Et là, je les ai équipés en tubeless. Voilà. Donc là, ça fait 15 jours que je les essaye. Franchement, ça n'a rien à voir, quoi. C'est des 28 rayons. Et ça n'a rien à voir avec des alus. Donc l'arrière. Voilà. Je vais vous faire voir les moyeux que j'ai fait mettre dessus. Voilà. C'est des 206 DA. Je sais pas si on va voir. Non, de côté. Non, on va aller voir. Hop. Donc c'est de 206. Voilà. Au niveau de la réactivité des jantes, c'est impressionnant quoi. Ça n'a rien à voir avec des jantes alu. Donc ça, je me répète, bien sûr. C'est hyper fluide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai roulé à peu près facilement plus de 2 heures avec, je vais les emmener chez un vélociste pour refaire retendre les rayons. C'est ce qu'il faut faire si vous voulez qu'en fait, il n'y ait pas de soucis pour après que votre jante soit voilée. Il faut toujours faire ça. Quand elles sont neuves, il faut au moins rouler au moins une heure et demie, voire 2 heures avec, faire une sortie, pas trop les brusquer non plus, mais ce qu'ils appellent casser le carbone en fait. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit retour. Je vais vous mettre le lien des jantes AliExpress avec le fournisseur. Il m'a fourni, donc j'avais demandé de mettre les roues en photo, voire avant la livraison. Donc c'est quelqu'un qui est très professionnel et qui répond vraiment à toutes vos attentes, quoi. J'ai posé vachement de questions avant de les acheter et là j'en suis très 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 content. Donc c'est pour ça que je lui ai racheté des roues pour mon vélo de route en 50 mm. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, en ce qui me concerne, bah, j'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. Mais voilà, les professionnels chinois sont quand même au rendez-vous. On a beau dire ce qu'on veut. Je les ai payés 320 €. Voilà. Et j'ai pas payé de frais de livraison, enfin frais de douane. J'ai eu de la chance, autrement c'est 60 €. Allez, à plus, merci à tous et bonne journée, ciao!